Yo, et bien bonjour à tous les amis, c'est Dilo, comment allez-vous? J'espère que ça va, que vous allez tous très bien. Pour ma part, c'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur Pro Cycling Manager 2014. On va se le faire en différé. Je ne suis pas en live aujourd'hui sur ces deux étapes que vous allez voir du Giro, puisque j'en suis au Giro sur la carrière. Je vous avais laissé sur le dernier live sur le Giro. Donc j'ai continué le Giro, hein, j'ai pas avancé depuis. Alors vous allez voir ce qui va se passer sur la première étape, puis la deuxième. Enfin c'est non, c'est la première étape de la vidéo, puis la deuxième étape de la vidéo. Mais c'est pas la première étape et la deuxième étape du Giro. Il me semble que c'est genre la deuxième étape et la quatrième. La première c'est un contre-la-montre, la deuxième vous l'avez, c'est celle que vous voyez à l'instant. La troisième j'ai simulé parce que mes sprinters étaient en fraîcheur moyen, donc de toute façon je pouvais pas réussir. Et la quatrième, vous verrez bien ce qui s'est passé. J'ai envie de vous spoil. Non, je vais pas vous spoil. Du coup, alors aujourd'hui, de quoi on va parler du coup, puisque je vais pas commenter le gameplay ou quoi. Alors, j'ai décidé, suite aux réponses du sondage que vous m'avez, auquel vous m'avez répondu, de rester sur PC Production comme je le suis depuis 2 mois, depuis que j'ai repris, donc sur du PC Production 2.1. En ce moment, on est sur PC Production 2.1, 2.0, c'était en gros quand j'ai repris la chaîne, vous savez, après ma longue absence du micro. 2.1, c'est quand j'ai reçu mon nouveau casque, voilà, parce que mes vidéos changeaient considérablement en qualité, hein. C'est carrément le micro qui a changé, c'est carrément la qualité audio qui a changé, donc quand même, ça a changé pas mal. Donc c'était du 2.1, on passera pas en 3.0 du coup, pour me suivre, hein, si vous comprenez rien à ce que je dis, allez regarder la vidéo où je vous propose de voter justement dans le sondage. C'est l'avant-dernière de la chaîne, pardon. Mais j'avais quand même voulu vous présenter à quoi ressemblerait PC Production 3.0. Dès le lendemain, je vous ai publié une vidéo avec. Ce que pourrait ressembler PC Production, mais c'était pas pour vous dire ouais, je vais faire PC Production 3.0. C'était juste pour vous dire voilà à quoi ça ressemblerait. Alors maintenant dans le sondage vous m'avez dit continue ta carrière, je vais continuer ma carrière, je vais pas changer. Mais cependant ce que je veux faire, je pense que j'en suis sûr, cette fois-ci je fais plus de sondage. Alors maintenant je pense que, on est en avril, je suis en train de calculer vite fait. En gros il me reste 1 mois et 20 jours avant la sortie de PSM 2015. Alors je pense que jusqu'à la sortie de PSM 2015 on va faire que de la carrière, voilà. On va faire que de la carrière, ça sera même pas un mélange des deux comme j'avais pu proposer sur le sondage. Ça sera de la carrière uniquement. Mais dès que sort PSM 2015, je change complètement. C'est à dire que je ferai PSM Production 3.0 avec deux nouvelles séries. Peut-être le retour de Victoire de Prestige, ça serait la saison 3. Peut-être le retour de Victoire de Prestige, mais sinon voilà, de nouvelles vidéos, de nouvelles séries inédites, des choses qui n'ont jamais été faites sur YouTube, voilà, enfin, comme je vous l'avais promis pour PSM Production 3.0. Voilà, donc je pense que je vais faire ça comme ça. Sinon, il y avait autre chose dont je voulais vous parler, mais évidemment j'ai oublié, et puisque j'ai oublié, j'essaye de vous parler pour qu'il n'y ait pas de blanc. De quoi je voulais vous parler? C'est une très bonne question. Vous savez quoi? J'ai totalement oublié, et en fait, que j'y réfléchisse, j'ai pas tellement de plus de choses à vous dire. Alors ce qu'on va faire, c'est que la dernière étape, je vous la propose en musique. Moi je vous propose qu'on se fasse une vidéo vendredi. D'accord, je ne serai pas là un vendredi, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de vous proposer une vidéo vendredi. Je vais vous proposer une vidéo samedi, puis une dimanche. Voilà, avec ça on devrait avancer sur la carrière. J'espère que à la fin des vacances on sera passé en 2017, oui, parce que non, en 2016. Donc j'espère qu'à la fin des vacances on sera passé en 2017, puisque en ce moment, enfin on est en juin 2016, puisque c'est le Giro. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais pas vous faire du blabla, essayer de boucher le trou qui me reste de 2 minutes à parler. Je pense que je vais juste vous laisser là avec une petite musique. Je vous dis rendez-vous ce week-end pour 3 nouvelles épisodes de la carrière. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker, c'est important, trop geeker. Tchuss, c'était Dizileo. I smoke too much.
I drink too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. 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 We could see clearly.